C'est pas assez, mais... On a une personne... Bon, on a Outlook, putain! Qu'on avait oublié, le général Outlook. Et là... Oh, c'est fantastique si on fait ça. Ok. Qui c'est qui n'embarque, qui désembarque pas, qui restera sur le sol là? Toi, il n'y a pas de sol qui compte. Toi, tu vas en plus, tu vas caper rapido. Brigade coloniale là, ça me fait un peu peur. On va déjà faire ça. On le met avec tout le monde. Ok. Pas mal! C'est prévu! Il y a des trucs! Il y a des trucs un peu partout. On a une invasion navale ici. On en a une autre là. On va en avoir une autre sur Washington. Et on va en avoir une autre ici. Sur San Francisco. Ah, j'ai dit. J'étais à NBA, c'est plus tard. Ici, on n'a rien pour le moment. On attend de voir comment ça se passe. D'ailleurs, ça serait pas con d'arrêter de faire ça et de faire une petite défense. Une défense de zone. On connaît. Ils vont pas me prendre ça quand même. Combien de temps c'est la guerre avec Haïti? Ça me fait un peu peur. J'ai l'impression que c'est venu un peu rapidement. Ouais, c'est venu un peu rapidement. Alors, si j'annule la justification, comment ça va se passer? Et combien de temps j'ai pour déclarer au pays? Bonjour Lams, merci beaucoup. Passez un bon Noël? Est-ce que quelqu'un peut répondre à la question? Est-ce que quelqu'un connaît la réponse à la question? Et là, c'est quoi la question? Je sais, vous êtes comme ça. Donc, je me répète la question. Je répète la question. J'ai justifié un but de guerre contre Haïti. Il va arriver dans 10 jours. Je voudrais annuler ce but de guerre parce que c'est pas le bon timing pour attaquer les États-Unis, qui ont garanti l'indépendance de Haïti. C'est pour ça que je déclare la guerre à Haïti pour que, bim-bam-boum, les États-Unis se retrouvent en guerre contre moi. Certes, bon plan, bien joué, c'est malin. Mais si j'enlève la justification, combien de temps je vais devoir réattendre pour pouvoir rejustifier le but de guerre? Et si on ne fait pas ça, si on n'annule pas la justification, combien de temps j'ai pour déclarer la guerre après Haïti? Plusieurs questions, donc plusieurs réponses. Mais ça peut être la même réponse. Bonjour à SDIA, merci beaucoup à toi pour ton 10e mois d'abonnement. Et merci, c'est le 27e, Lams, merci beaucoup. Ouais, plein de bonheur à toi, mec. La famille, tout Noël. Ouais, nickel. T'as eu des bons cadeaux? Des bons cadeaux, des cadeaux rigolos, des cadeaux qui t'ont fait un petit peu palpiter. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez eu des bonnes conversations? Est-ce que t'as retrouvé des gens que t'avais pas vu depuis longtemps? Ou non? Ou toi, de toute façon, tu les vois toutes les semaines, ta famille. Et tant mieux, et ça s'est bien très bien passé aussi. Putain, mais Haïti, regardez-moi ça. Opinion grâce aux accords commerciaux. Nombre minimum de divisions pour envoyer des volontaires. Stabilité plus 10%, soutien à guerre plus 10%. Pourquoi nous combattons? Ils ont un arbre particulier à Haïti? Non, mais putain, c'est un arbre particulier ça ou pas? Je pense pas, hein. Recherche haïtienne. Partage de technologie. Je pense que ça, c'est un truc. C'est un truc lambda, non? On va regarder un autre à côté. Cuba, je pense que c'est un truc particulier. Honduras. Oh, c'est quasiment la même. Hein. C'est quasiment la même. Alors que si on regarde Cuba, j'imagine. C'est pareil. Ok. Le Brésil, est-ce qu'il a un truc particulier? Parce que Free Sim Brésil, ça doit être marrant, non?
Il a rien du tout, le Brésil. Développement de sous-marins, développement des destroyers. J'ai l'impression que c'est la même chose que tout à l'heure. Bizarre ce soir. Commence à bailler, commence à avoir faim. Ça fait 7h49 que nous sommes sur cette partie. Alors, on a commencé le live, on a fait bon les gars, on joue. On a même pas dit bonjour, on a revu, on a refait le résumé un petit peu de comment ça s'était passé du côté de la France. Ça se passe bien. Donc ça se passe bien, je pense qu'on a win la game. Maintenant, c'est la beauté du jeu, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette partie. On a vécu des belles émotions. On a vécu des belles émotions, je pense que la game est... On peut dire GG. On peut dire GG, on a toujours l'Union soviétique évidemment à les fourrer. Moi j'ai un petit peu peur de la rébellion des états justement qui sont communistes du Comintern. Donc, du coup c'est peut-être pour ça que les invitations dans les factions ça m'a l'air d'être une bonne idée. Et ils veulent pas être entraînés dans une guerre qu'ils ne pourront pas maîtriser. J'ai bien compris. C'est pareil ici. Afghanistan, ils ont pas peur, non? Non aligné. Invitation dans une faction. Ah, c'est la même chose pour eux. Bisous, mec. Bonne fin de soirée. T'as d'où tout va? Ils sont chez eux. Hein. Pacte de non-agression. Et on a encore la Finlande aussi, je rappelle. Ça, c'est chez nous. Donc, le communisme. Enfin, l'Union soviétique. Parce que nous, c'est l'Union française, donc c'est complètement différent. On va pouvoir attaquer d'un peu partout. Donc depuis l'Europe, depuis la Finlande, depuis la Turquie. Donc on va pouvoir mettre un truc ici, un truc là, un truc ici. Hop, une petite flèche là. Donc ça va être pas mal. On va venger Napopo. Est-ce que on va récupérer le Japon? Parce que si on récupère le Japon, ça veut dire du land aussi pour la Russie. Parce que moi, j'ai pas beaucoup participé à cette guerre, en vrai. Je vais me retrouver, les Russes ils vont récupérer la moitié du land. Alors que là, les Chinois, les Japonais, les autres Chinois et les autres Japonais se battent tous entre eux. Quel intérêt stratégique pour moi vraiment de rentrer dans cette guerre et de régler le conflit? Aucun! Aucun! Notre seul ennemi qui pourrait être notre ennemi, c'est qui? C'est lui, je pense. On est en 44, on l'a pas vu de la game. Il a 400 usines. 2 millions de mecs. Voilà. Faire attention. 44, les États-Unis, si on les tue pas dans pas longtemps, normalement c'est la bombe atomique. Bon, je vais pas me faire bomber. Pas me faire bomber. Donc on les go. Exploiter les champs pétrolifères de Burgan. Je pense que le pétrole ça va, hein. Gain quotidien 13-5. 13-5, je pense que ça ira. Hein. Est-ce qu'on a vraiment besoin de beaucoup de plus? J'imagine, on a quand même 6000 avions. Armée de l'air, consommation maximale, vous voyez 25K,1. C'est... beaucoup. 16K du côté de la marine. On est à 41 plus 6, 47K. Les réserves de carburant... On a de la réserve. Stockage de carburant aussi, on n'a pas fait une cuve. Hein. Pas fait une cuve, rien. Démantèlement de la ligne Maginot. Oui. Vitesse de planification, moins 25%, mais planification maximale, plus 25%. Ouais, c'est ça que j'ai envie de vous dire, planification maximale. Est-ce que c'est pas bien d'avoir le plus 25%? Est-ce que c'est que à côté de la ligne Maginot? Ou est-ce que c'est pour toutes les unités? J'en sais rien, moi. Démantèlement d'efforts tchèques. Pareil! Pourquoi faire? Je comprends pas. Remettre en service le canal de Suez. Ouais. Bien sûr. On va faire ça, attendez. Recruter en Europe, recruter, éducation au socialisme. République sœur. République sœur italienne. Les Italiens demandent une intervention des forces françaises pour chasser ses propriétaires, ces capitalistes parasites qui les gouvernent. L'Italie française est un état fantoche, soutien supérieur à 60% pour le parti de PCI. Aussitôt la décision prise, alloue 365 jours d'agitation politique et PCI du côté de l'Italie sœur. Ils sont pas à 60% les gars. Dépendance.
On a 46% du PCI. Et ça augmente ou pas? Ça a l'air d'augmenter. Hein. Là, on est en Éthiopie en plus, depuis tout à l'heure. C'est bien l'Éthiopie, il fait bon. Là, on voulait. Ouais, les lions noirs, bah ouais. Ah bah. Ça vaut un peu plus que les autres Italiens, là. Donc, si je fais ça, là, 0,1 par jour, bon, on va pas le faire. Hein. Vaut mieux les mettre tous dans le même endroit ou pas? Je pense pas. Hein. Sinon, ça serait un peu con. Voilà, on va faire ça comme ça. Ou du coup, ça m'a pas répondu. Hein. Les gens m'ont pas répondu. Les gens m'ont pas répondu. Quand j'ai des questions sur le jeu, les gens me répondent pas. Quand j'ai pas de questions sur le jeu, les gens me trollent ma game. C'est quand même fou. Hein. Et c'est tout le temps. Jamais ça se passe bien. Pas facile là, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, parce que si vous voulez déclencher des buts de guerre, ça va augmenter au fur et à mesure. Là, on est à 37 de coup. Ça fait un peu chier. Bon, on va justifier le but de guerre, on va attendre. Et on lancera ce qu'on pourra lancer, hein, je pense. Détroit, mais vachement. C'est normal que ça soit si haut là. Genre le Canada, c'est là? Vraiment? Ou alors c'est... Il y a eu un go à un moment. Il y a eu le Reich qui a go. C'était pas moi, c'était le Reich, ça. J'ai l'impression qu'on est un peu beaucoup ici, mais pas tant que ça, en vrai. Oh, 7 mecs. Bim, allez, je t'envoie là. Tiens, je vais t'en envoyer un peu aussi ici. Petit vélo. Est-ce qu'on pourrait en avoir 6 de plus là? Ok. Ah merde, c'était pas 6 de plus. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas là-bas que vous devez. Les gars, concentrez-vous, parce que sinon moi je vais pas. Hein. C'est bon? On est concentré? Eh bien. On a fait pop quelques unités. Et là, on va mettre un petit 1. On veut juste 90 divisions. On va continuer avec ça un petit peu. On va en prendre 2. Avions, vous me faites du mal. Matériel d'infanterie, ok. On commence à en avoir, ça c'est bon aussi. Ouais, les bateaux. Bateaux, quoi. Toujours la merde, les bateaux. Je fais la formation diplomatique, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est. C'est quoi la gestion? Il a un mauvais timing sur une déclaration de guerre, il veut savoir s'il y a une marche dessus ou s'il annule combien de temps avant de pouvoir refaire. Bah exactement. Putain. C'est exactement ça. Je pense que même moi j'aurais pas pu dire mieux. Ah non, là tous les mots ils étaient dans le bon ordre, dans le bon sens. Ah franchement ça c'est quelqu'un qui fait des études de l'aide, vous voyez. Ou qui a l'habitude d'écrire, de parler, de communiquer. Une bonne personne, genre. C'est une bonne personne qui vient de parler. De toute façon, j'ai lu un sondage, c'est Softel qui m'avait balancé ça. Dans mon chat, il y a 72% des gens qui sont des bonnes personnes. Ouais.
17% des personnes qui sont mauvaises et le reste ne se prononce pas encore. Donc vous êtes plus. Vous êtes plus de gentils. Donc exprimez-vous. Tout ce que j'ai à dire. Voilà la justification de la conquête d'Haïti. Alors, désolé, mais Haïti, moi je m'en bats les steaks. Hein, c'est pas Haïti le souci. Haïti, ça sera jamais un souci. Haïti, est-ce qu'il y a des unités dans Haïti? Personne ne sait. L'Éthiopie propose d'acheter la Somalie française? Non, mais les territoires sont à la France! Usine de biens de consommation, moins 5%. Pendant 730 jours, prend possession de la Somalie française. On accepte de vendre Djibouti. Djibouti, les gars. Djibouti, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est le canal. Ah, là, c'est... Somalie française, c'est important, ça, non? Après, on pourra leur reprendre. On leur donne et on leur reprend après. Parce que je pense que moins 5% là pendant 730 jours, c'est bien les usines de biens de consommation. Allons-y. Mais ouais, on leur a donné. Somalie française. Bim, fini. 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 On a vendu des Français. Pas vraiment. Mais... C'est chaud. C'est un peu chaud. Guyane, Chihuahua, Coahuila, les Antilles françaises, Saint-Laurent. On est en train de faire nos routes là. On a. On n'est pas sur le timing. On n'est pas sur le timing. On n'est pas sur le timing. On n'est pas sur le bon timing. Je vous le dis. Ici, comment ça se passe? Ça se passe. On fait toujours des bateaux un peu bizarres. Pas changé. Non mais frérot, je peux pas faire ça. Petit destroyer, voilà. Écoute, je te fais ça. On va dire que c'est très bien. Alors, comment ça se passe ici? Est-ce qu'on a réussi à avoir le contrôle? Alors attends, la nouvelle là. $15,84, ok. $76,80, ok. Ok, ici aussi. Ok, ici aussi. Et j'ai l'impression que j'ai pas besoin d'avoir le contrôle de la mer qui est au-dessus. Bon, je n'ai pas le nom. Ok, pour lui aussi. Et niveau l'autre. Hey, Marco, tu es où? T'es là. Et... Elle... También. On a besoin d'une soixantaine de jours encore. Une soixantaine de jours. Il a un peu de tempo, après, pas qu'elle soit finie. S'il y a eu, il peut la recommencer direct après, mais il recommence à zéro. S'il passe à souris sur l'icône de justification dessus, il peut voir combien de temps il reste. Date d'expiration, 13 mai. Mars, avril, mai. Nickel. Nickel. Merci. Voilà, voilà une réponse simple. Bonne réponse. 2 points. Pour Micheline du Var. Ouais, t'es dans le Var. Désolé. Et le Var, bon. La Var. La Var. Mais le Var... Non mais bon. On va se faire un petit raffinage de carburant quand même. Ah mais moi j'aime bien le sud. C'est les gens, le problème. Évidemment. Promouvoir la frugalité. Mmh. Rouvrir la route de la Birmanie. On l'avait fermée. La Chine communiste va avoir accès à ces deux usines. Oui. Oui.
Double batterie d'usage là, let's go. Mer de Bismarck. Mer de Java. Invasion navale. Quoi? Mais frérot, faites pas des bails comme ça. Un petit avion qui est en train de fumer quelqu'un. Alors, ici. Est-ce qu'on a vraiment un truc à faire? Je pense pas. Vitesse de recherche sur les avions. On va pouvoir l'enlever, ça par contre. Quoique. Pas terrible. Les autres trucs. On a tous les ups ici. On n'a pas le dernier mec là. Je suis pas sûr que ce soit très très intéressant. Oula, attends, Alphonse, là, expert. 10% d'attaque des divisions. Patrice. Attaque division 5-10%. Ah, d'accord. Ok. Supériorité aérienne, probabilité de générer des as. Supériorité aérienne. Lui, non. Attaque des navires capitaux. Et l'attrition, on va mettre à fond joint. Ah ouais. 10% d'attaque des divisions d'infanterie en plus. Sachant qu'on a que ça. Oh, c'est bien. Est-ce qu'on va réussir à le faire, ça? C'est pas sûr, hein. Nous connaissons, ça ne va pas fonctionner. On va se fail. Nous connaissons, on va se fail. Mais là, normalement, on devrait avoir une invasion de 1000 personnes. 1000 gars qui arrivent pour fumer la gueule des Américains. Côte de la Floride. 4 nouveaux repérages. Ouais, bah. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? D'accord. Logistique. Matériel d'infanterie, on en a. Lance-roquettes, on en manque. Camion, on en manque. 124 matériel d'infanterie. Est-ce que c'est pas suffisant? Petit décryptage. Allez, let's go. Je crois qu'on aurait pu mettre des espions sur le là où on débarquait. Ça aurait pu être un petit peu plus malin. Hop. Alphonse. Let's go. Et là, on est à 70 maximum, ok. On peut se reprendre un petit général, si je dis pas de bêtises. Comme ça. On est en avril. En avril, faut faire gaffe. 39 jours exactement. Plusieurs divisions n'ont pas atteint leur point de départ. Très bien. Très bien à elle. Ah, j'ai oublié de faire les plans. Ah, je m'en fous. Ah, j'ai pas fait le plan. J'ai pas fait le plan avec le maréchal. Mais je ne comprends pas parce que j'ai deux unités. J'ai des généraux de plusieurs endroits là. Bon. On va le faire un peu à la main. Hop.
Toi, il faut qu'on attaque. On avait oublié. Faut qu'on attaque et ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne. Grâce aux avions, imagine. On est en train de perdre. J'ai pas voulu continuer. Continue l'attaque, pardon. ...16 jours d'attaque. Oui, oui, bah oui, pourquoi pas. On est plus. 69, 58. Bah ça va faire chier contre les États-Unis ça. Ouais, faudrait que je le tue ça. On est en train de perdre, hein. Ils nous le disent, hein. On continue. Missile de base. Moteur à réaction, ça c'est pour les prochains avions. Attention. J'étais fait baiser sur ça donc je m'en souviens maintenant. Gardez vos rangs. Arrêt. Alors 5, il m'en faut ici. Arrêt. On va t'en prendre, on va t'en mettre 5 ici aussi. Le 26 avril, faut faire gaffe. Non mais c'est trop. C'est trop. Moi je veux le double canon. Donne-moi mon support de bombe. Moteur fusée. Attends, il y a moteur fusée. Poussée. Conso carburant. Ça conso bien, mais bon, j'ai moteur fusée. Radio RR. Radio air sol. Je peux pas le mettre. Par contre, je peux mettre ça. Je peux mettre des petits flotteurs si j'ai envie. Je vois pas si je peux mettre ça. Non, je peux pas mettre ça. Ok. Les moteurs foncés sont pas si ouf car ça ils donnent pas beaucoup de range à l'avion. Ok mec, hein, j'en ferai quelques-uns et puis je rechangerai. De toute façon j'aurai un meilleur moteur à un moment j'imagine. Je vais avoir des nouveaux up. Comment ça se passe ici? Ouais. J'ai pas fait de mission hein. Je sais pas quoi faire. Je veux qu'ils soient communistes les mecs. C'est pour ça que je me propage. Ouais, let's go. On est en mer. 13 mai. Jours de combat. Bon, ça pourrait bien se passer en vrai. Tout pourrait bien se passer. Capture d'une agent étrangère. Bah alors 21 jours.
21 jours, et là on est à 13 mai, 9 jours. 21 jours, ça fait 12 jours de différence. Là on est à 14 jours. On va s'enlever. On s'enlève des mecs ou pas? Cet officier. Ah mais non, on a Charles. Charles, hein, voilà. Voilà pour Charles. Ici donc on va être à quoi? 5 jours, nickel. Là on pourrait faire la même chose, on enlève un petit peu de mecs. Là c'est qui lui? Là on a 4 mecs qu'on pourrait remettre. Les divisions de coloniales par exemple. 4 mecs, 4 mecs. Hop. Ok, on est à combien là? Ah c'est bon? Non, c'est lui. Lui ça va être bon. Lui c'est bon. Lui c'est bon. Ça c'est lui. 7 jours. 7 jours, c'est parfait. Ok, donc on aura tout le monde. Est-ce qu'on a du ravitaillement? Est-ce qu'on a nos trucs aériens? Est-ce qu'on a nos radars? On a des radars qui sont en train d'arriver. Établi. Sud de l'Ontario, on voit. On a nos logistiques aussi, qui sont là au cas où, pour le backup. Chihuahua. On n'a pas beaucoup de bases aériennes. Là, je vois Guyane, sud de l'Ontario. Saint-Laurent, ça serait plus malin de faire ça. Chihuahua aussi, je pense. Parce que les avions, je pense que c'est un souci, là. On n'a pas la place pour nos avions. Ah, on a un peu de place, ici. Varsovie, non merci. Colombie-Britannique, c'est pas ça la Colombie-Britannique, hein. Coahuila. Coahuila. Ok. On était en train de faire... Qu'est-ce qu'on était en train de faire avec les avions? Ah. Ok. Ok. Donc les avions c'est bon. La Navy ça a l'air d'être ok. On a un level up ici. Expert gros calibre. Ah bah ouais bien sûr. Attaque des navires capitaux, risque des dégâts critiques ou avantage de bombardier. Oh, attaque des navires capitaux, j'ai eu un bonus sur ça aussi. Tireur d'élite. Let's go. Il est level combien pour avoir ça? Niveau 7. Manœuvre et coordination. Coordination de la flotte plus 14%. La compétence en coordination accroît la portée et l'efficacité des missions menées par la flotte commandée par cet amiral. Vitesse de flotte faisant retraite, positionnement 17.5. C'est... costaud. Ici on se rappelle, hein, 13 mai. Et là, 5 jours au niveau de la fin de la bataille. Oh, ça a l'air de bien se passer, putain. J'ai fait en sorte que ça se passe bien. Voilà. C'est ça. 3 jours. Apparemment, on a un petit avion à récupérer encore. Pas de pitié. 8 mai. Dernière bataille. Let's go. Et donc, du coup, maintenant, ici. On se met là.
Et on avance, hein, je pense. Bien. On est bien. On est bien, tout va bien. Deux jours. Voilà, on active tout, hein, je pense. Je pense que tout est activable. Tout va être activé. Ah, c'est quelque chose. Ah, c'est quelque chose. Est-ce que vous êtes là? La prise des États-Unis en direct sur LHTV. Il est actuellement 22h29. Nous sommes le 8 mai 1944. Et la commune de France va contrer l'impérialisme économique capitaliste des États-Unis. Avec des invasions navales. C'est le plan. Bonsoir, Pantral. Décryptage semi-mécanique. Continue si tu veux. Alors on fait gaffe. C'est 13 mai. T'arrives au bon moment, ça dépend, parce qu'on a planifié pas mal de trucs. On a parlé avec Chips Ketchup tout à l'heure et avec Blaziken. C'était pas mal. Il y a eu des moments intéressants. Ok, donc là c'est bon. On fait un check. Du coup, ouais. Oh, logo parfait. Logo parfait. Si on n'oublie pas nos avions. Parce que nos avions maintenant, il y a 5000 avions sur un mec. C'est peut-être beaucoup. On va en mettre un peu sur lui. Sur le général, pardon. Pardon, excusez-moi. On a des avions de transport ici. Ok. Sont les autres avions. Alors, lequel est en haut à droite? C'est lui, hein, je crois. Avion de transport, escadrille de chasse. C'était bien lui. Un petit avion de transport vers là-bas. Quand même. Là, on a 4000 avions. Bon, 4000 avions, c'est bien. Est-ce qu'on peut vraiment les mettre tous au même endroit? Que déjà ça, on y verra un peu plus clair. Ils sont où les 4000 là? Ils sont toujours en train de faire de la merde. Voilà. Avion de transport ici, avion de transport là. Escadrille de chasseurs. 13 mai. On avait oublié les avions.
aller là. Ils vont aller là, hein, je pense. Ok. Et bah donc du coup... Alors. Peut-être dingue. Peut-être dingue en approche qu'on n'avait pas prévu. C'est-à-dire, peut-être que les États-Unis ne défendent pas Haïti. Ça serait rigolo. C'est bon. Les États-Unis, ils ont appelé dans la guerre, machin. Et là, on n'a rien le temps de faire que déjà les unités sont en mouvement. C'est ça ? Dis-moi oui. Oui. Tout bouge. Tout bouge. Haïti rejoint l'Union nord-américaine. Ah, ils se barrent de... Ah bah, restez là, parce que... Il va y avoir des trucs hein, qui vont se passer. Oh putain, ça n'a pas marché. Là, ça n'a pas été envoyé. Là, c'est un fail aussi. Bon, l'équilibre des forces, donc... ça s'est rééquilibré. Voilà. Bah, équilibre. Et donc, du coup, là non plus, on n'a vraiment aucune invasion navale. Kago. C'est ça, le truc. Bah, je pensais que quand on allait déclarer, on allait avoir la suprématie directement et qu'on allait pouvoir venir directement pour leur casser la gueule. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Donc c'est un gros fail, je pense. On va continuer, on va voir. Hein. C'est un gros fail. Ça pousse, hein. Je dis pas, hein, ça pousse. Je dis pas, ça pousse, hein. Ça pousse. Côte de Floride, Côte du Mexique. Merci beaucoup, les gars. Je crois que la mer des Caraïbes, on peut oser, hein. Y'a plus rien qui part de là. On peut oser. Entre guillemets. On va en garder un là. Qu'est-ce qui se passe? Train perdu à cause de frappe logistique. Philippines. Comment ça? Quel moment les Philippines sont en guerre contre moi? Ah, c'est cela, oui. Mer des Caraïbes. Niveau d'accès autorisé. Mer de Bismarck, c'est pas ça que je veux. Invasion navale. Ah, Pointe-à-Pitre tombe. Supériorité aérienne de l'ennemi. Ah! Voilà, y a des avions ici, putain! Ils ont fait bêta avion. Plus que moi. D'ailleurs, mes avions. Est-ce que ça tape? Est-ce que ça fait des trucs? Ça a l'air de taper. Hein. Merci Tigridis. Et la France. Pourquoi il a pas commencé à go là? Ça m'étonne beaucoup. Batterie double usage avancée. Normalement, quand il y a des noms comme ça, ça devrait bien se passer, mais... Ça se passe pas si bien que ça. Transmission.
Oh! Il y en a un qui est parti. Il y en a un qui est parti. Il y en a un qui est parti, let's go. Base navale aux colonies. Oui, oui, on n'a pas le temps. Bim. C'est chiant, hein. Nous sommes en train de perdre. Alors, on perd, mais... Apparemment, on a quand même débarqué. Baltimore, là. Washington. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Voilà, Washington, ça m'a l'air d'être prenable, hein. Ouais, y'a quelqu'un qui est cagot, mais bon. Au final, on s'est rendu compte de la supercherie. Plus de bateaux les prochaines fois. Bombardement stratégique. Ça coûte bien là. Ok, on continue en haut là. Vision nocturne. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal dans le timing où on est, je pense. Missile à Meloyo. Ok. Ouais, faut prendre ça, hein. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a eu un bail. Beaucoup de monde ici. Hein. C'est impossible, lui, en vrai. Ce sera moins long si je clique là, en vrai. Et d'ailleurs, on pourrait redébarquer, là. Ça va être compliqué là en vrai. De garder la position, il va falloir vraiment faire un gros push ici. Il va bien rentrer chez lui l'autre. Promotion d'un as. Non, ça c'est pas possible. Oh! On est parti! Oh, ils sont double partie. Let's go. On va essayer de les prendre dans le bac, on va essayer de faire une petite poche. Bim. Ouh là 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 là, les Américains. On va essayer de les récupérer là. La base aérienne là, je pense que c'est pas une mauvaise idée.
Bazarin ici aussi. Ok. Là, c'est trop dur. Il nous manque de quoi ici ? Il manque de tout. Récupérer Détroit, c'est bien ça. Cleveland ? Compliqué. Washington ici, c'est chaud. On arrive à push ici. On arrive même à bien push. La base aérienne. On va prendre la rivière derrière là. On va voir jusqu'où on peut aller. Ah, il fait chier. À repousser comme ça là. Ok. On a raccourci le front. Décryptage semi-mécanique. On a réussi à sécuriser ici. Ouais. On va pouvoir balancer des gens si on en a. C'est pas le cas. Haïti. Alors là, ils m'ont repris. Là, ils m'ont repris. Ils ne pourront pas de l'autre côté. C'est chaud ce qui se passe hein, quand même de leur côté. Alors du coup, lui. C'est lui, hein. Général là. Ok. Gardez vos rangs. Oui, ça a l'air d'être un peu chaud quand même. Aux ordres. Aux ordres. Écoutez. On va essayer d'y retourner. Ça a l'air d'être compliqué. Ouais, là on peut encore là. Ouais. Le débarquement, fais gaffe, pas de port, pas de ravitaillement. Ouais, j'ai voulu débarquer à Washington, Baltimore, mais j'ai pas réussi à y aller jusqu'au bout. T'es bloqué. On passe par là ? On passe par là. On peut kill ça ou pas ? Continuez d'avancer. Non, n'avancez pas, n'avancez pas. On reste un peu en position pour le moment, là. On regarde comment ça se passe, à gauche, à droite. Ici, je pense qu'il y a une faille, là. Il n'y a pas une ville, là.
Hop. Au revoir. Code déchiffré par l'ennemi. Oh lolo. Il y a des divisions qui arrivent de partout ici. Faut faire un petit peu gaffe là quand même. Ouais, c'est moche hein. Ce que je suis en train de faire. Pas de division, pas de division. C'est quoi qui doit aller? C'est qui doit aller là-bas? C'est toi, hein? Alors, non. Bref, un peu ici. Toi, je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Très très franchement. Hein. Tu as remarqué qu'on avait quand même un petit truc à faire là, ou pas? D'ailleurs, j'amène beaucoup trop de divisions à mon goût. D'avancer. Attention. On essaie de repérer les endroits où il y a moins d'organisation chez sur certaines unités. Ça permet de récupérer des cases plus facilement. Attention. Gardez vos rangs. Hop, on va attaquer ça. On va essayer de se récupérer ça. Écoutez. Rien d'oublié, mais il y a l'Alaska aussi. On attaque ça aussi. Petite pause, on revient de l'autre côté. Peut-être aller se casser la gueule avec ça là. Ah, là c'est la petite unité qui m'emmerde comme à chaque fois. On a pris Cleveland. Petite unité qu'on n'avait pas prévue. Écoute. Et donc toi t'appartiens à une armée, t'es où? Ah ouais, t'es là toi. Ok. Je peux pas mettre de général. J'ai Alphonse Georges en maréchal. Ok. Écoute, pour le moment ça sera ça hein. Moi ça me va. Et là on va aller prendre cette petite zone et on va lui demander de go. Ok, ça défend, ça réattaque, ça redéfend. Comment ça se passe? Écoutez. Attention.
Ah, les marines, ça m'aurait bien aidé. Je suis bien d'accord avec toi. Mais là, pour le moment, les États-Unis, on est en train de les bouffer. Moi, je crois que c'était les États-Unis qui étaient en train de me back. États-Unis, on est à 42% de capitulés, on n'a pas pris la côte est. Donc, on est bien, non? On va faire ça. On va taper là-dedans. On va avancer un peu. On va essayer de prendre ça. Oh non. Mais c'est trop triste ce que je fais des fois. On va essayer de le sauver. Ça devrait pouvoir aller. Allez, on se casse en fait, hein. Il y a personne qui va là pour essayer de supporter. Bizarre ça. Ils vont me laisser sauver mon unité. Oh la classe. Je sais pas ce qui s'est passé, mais là il y a eu des trucs. Ok. Et là, si on tape ici, on va pouvoir pocher. Oula, 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 oula. Il y a des cases à prendre ici. Là, j'ai l'impression que ça continue d'avancer. Alors que je micro-gère pas. Là, on est bien pour avancer en vrai. Non? On n'a pas de truc pour avancer, pardon. Ah si, on avait. Ah, tout le monde est... Super, regardez, il y a une petite barre tout en bas, comparaison des forces, nous sommes plus forts. Ah, nous sommes plus forts du coup. bah du coup, go. Les gars. Même là, go, hein. Go ici. Là, on va avancer. Juste en face, tranquillement. J'ai peur que l'IAL ne le fasse pas. Là, normalement, ça devrait tenir, non? Les Great Falls. On devrait pouvoir récupérer ça. États-Unis. What the fuck? Qu'est-ce qu'ils foutent là, les gars? Écoutez. Écoutez. Ok. Je crois que je me suis planté là. On va laisser faire le bot. Attention.
Est-ce qu'on peut continuer ici? Bon, Washington. Washington. On arrive à avancer ici. On arrive à avancer, hein. Ça a bien bugué. Heureusement, c'est pas trop joué contre moi. Attention. Hop, la petite poche. Il est en train de prendre, hein, le général. Hein. Le général qui fait le taf en haut. C'est pour que vous vous rendiez compte un peu. Poche. Poche à Columbus. On est en train de les manger, on est en train de les manger. Panique pas, Gaston, panique pas. C'est chaud. Attends. Il y a beaucoup de limites. Je suis d'accord que le go là. Ah, ça fait chier. Il y a beaucoup d'unités. Je vais me faire fracasser si je m'en occupe pas. C'est pas toi qui t'en occupera. C'est sûrement pas toi non plus. T'es un avantage en plus. Toi, c'est la merde de fou. Toi, t'es en avantage aussi, c'est dommage. Y'a que toi qui est pas en avantage, frérot. Je peux pas mettre toutes les unités. On va un peu arrêter d'attaquer ici du coup. Même si là j'ai un bon shot. Ils sont pas en train de se rapatrier là? Ça me saoule ça. Qu'est-ce que vous foutez les gonzes? On a mis un clic. Chantier naval, destroyer. Petit sous-marin tout star apparemment. Non mais c'est trop. Pourquoi c'est de la merde ce sous-marin? J'ai pas level 3 encore. Oui, vas-y, fais ça. Ça sera très bien. Regarde un peu quand même. Hein. Et lourd, Ramirez.
Ok. Oh frérot. Frérot, là, c'était ton action, là. Trois unités, mais on lui dit go. Attaquer, là. Là, peut-être, j'ai pas toutes les infos. C'est un peu chaud, là, mais bon. Ah, j'arrive pas à récupérer 3 cases à chaque fois aussi. Il n'y a pas eu de ligne Maginot, bien sûr. Oh putain, on va prendre Boston. Oh la vache! On va mettre un panier au Tiddy maintenant. Ah la foutre. On fait une halte. En plus, c'est le front du général donc. Qu'est-ce qu'il veut? Continue ici. Ici, ça percute bien, ouais. Ok. Châssis de char lourd amélioré. Char lourd de 43, apparemment. Ah. On peut réussir à tenir ici. What the fuck? Ah bon, on se fait enchaîner ici. Comment ça se passe au niveau des différentiels de pertes et de victoires? Il m'a pété 433 000 units. J'en ai pété 841 000. On est bien. On est pas mal. Si j'avais plus micro, je pense que ce serait déjà fini. Attention. Oh le mec. On peut pas go là, juste là, comme ça. On coupe, on fait une énorme poche. Et la poche américaine. Attention. Attention. On fait pas exactement ça là. Alors on fait ça. Et on se réunit ici. Ça c'est bien ça. Des tanks. Ouais des tanks, pas tout de suite. On n'a pas encore le tank. Moi je veux le tank. On va taper là, on va taper là, on va taper là. On tape, on tape, on tape. Là, on va taper même là, ici. On va aller là-haut. Oui, c'est pas mal de taper là, en vrai. En général, il faut plus trop qu'il tape, là. Mais là, c'est un peu chaud. Comment on pourrait... Oh putain, hein, c'est vrai qu'il y a les États-Unis ici. Ouais, j'ai des problèmes de ravitaillement. Ouais, je suis bien d'accord. On va essayer de combler ça. Les nœuds, machin. C'est bien joli tout ça. On va réparer. Le sud de l'Ontario, Arkansas, ça c'est des voies ferrées, histoire de se mettre un peu mieux. Colombie-Britannique, Ontario du Sud, Guyane. Bon, je pense pas que ce soit très très important. Cependant. Est-ce qu'on a un nœud à faire en vrai?
Ok. Ah, c'est pareil là. Donc quand je vais réparer, ça devrait être bon. Si je comprends correctement le jeu. Aucune connexion avec le cœur logistique. Ah, ils ont fait sauter les voies ferrées, les cons. Pas con. Ok, on y retourne. Ici. Allez, on se bouge. Ça perd là aussi, hein. Les bases en Anatolie? Non. Tirs ennemis. Tirs ennemis. Ah, là, faut stopper, hein. On a un front qui est beaucoup trop large pour le nombre d'unités qu'on a, je trouve. Et il faut qu'on arrive à faire quelque chose ici. Attention. C'est essentiel maintenant. Hop. Ici, on peut toujours continuer de push. Boston, comment ça se passe? Ah, c'est mort. On a de l'attrition en plus. Défense des divisions, machin, supériorité, gain d'expérience, Joseph Villemain. Non, on va le garder. Monsieur Hotclock. Développer les ports dans les colonies. C'est bien joli tout ça. C'est bien joli, mais on s'en fout. On va commémorer la commune. Oh bah. J'ai oublié ça. C'est du militaire. Merde. Toujours en train de jouer. Je pensais que j'avais pause. New York, ok. Écoutez. Chiant, chiant, chiant. Pareil. Ouais. Pareil. On a quelques divisions. Qui peuvent arriver tout d'un coup. Spécialiste, trait. Écoute, je vais te remettre le blitz. J'ai compris les traits, la pose d'officier, chef d'état-major. Enfin compris. Attention. Où est-ce que c'est en train de pousser là actuellement? On a réussi à récupérer ça, Nouvelle-Orléans. Qu'est-ce qui se passe? Y'a pas d'unité ici? Attention. Genre ils ont give up. Ils ont give up très rapidement. C'est un petit peu restauré, on y retourne là, je pense. Go 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 go. Hein. Go 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 go, c'est reparti là. Gardez vos distances. Je sais pas si ça marche bien, une petite défense comme ça, bouclier. Gardez vos distances. Moi, à chaque fois que je le fais, j'ai l'impression que je me fais baiser. Hop, bim! Le mur.
Non, pas ça. Quelques divisions en plus. On y va. Pas bon ça. Enfin, c'est pas bon. Là, comme ça, de prime abord, c'est pas bon. Hein. Ah, on a pas réussi à récupérer ça. Pousse un petit peu quand même hein, à certains endroits. On va se renforcer ici. Ça c'est mauvais ça. Ils ont repris tout ça là. Regardez ce qu'ils sont en train de me faire. Incroyable, ils sont en train de me faire la méga poche. Ils me font la méga poche. Ils sont en train de me faire... Oh, par contre, moi, j'ai fait la méga poche. Il y a eu la méga poche, ici. Vous devriez avoir des genres de capitulations en mode ah vous m'avez trop poché, là je peux pas perdre 100 divisions. Enfin mais non, mais genre 20 divisions, c'est trop haut, GG. Nouvelle Orléans, ouais, on n'a pas réussi à tenir ici, un peu déçu. Nashville. Voilà, tout ça c'est cliqué ça non? Je vois des organisations négatives en phase. Birmingham. Non. Encore? C'est pas le premier Birmingham qu'on prend aujourd'hui. Enfin. Aujourd'hui en 1944 quoi. Bon. C'était il y a 2 ans, c'était il y a pas si longtemps. C'est un peu chaud. Ils attaquent pas vraiment en même temps. Donc du coup c'est fine. Ici je pense que ça les fait chier. Ah mais merde les agents les gars. Créer un réseau. On a bien créé le réseau. On va pouvoir bien libérer notre agent du coup. Et là communisme 7 par tour. Ok. Quatre mecs. On a beaucoup capturé des agents étrangers, mais bon. On a perdu aussi, quoi. Enfin, perdu. Ça, c'est un peu chaud, ça, quand même, hein. J'ai déjà dit une fois, je peux redire une deuxième. Faut récupérer ça, déjà. Ici ça passe pas.
après, c'est de l'autre côté que ça passe bien. Peut-être on prend tempo juste ici. Un tempo à Washington plutôt. Ah, si on peut faire ça, c'est top. La grosse poche. Il faudrait défoncer la grosse poche là. Bah, ah non. Double poche. Ok. L'Alaska, ça va? Et une division. Là, ils sont remontés un peu, ils font chier. Mais ça ne changera pas grand chose, je pense, pour la capitulation. S'il y a capitulation. Pardon! Je me suis pas fait pocher. Pas encore. Je me suis pas encore fait pocher. Je me suis fait pocher. Je viens de me faire pocher à l'instant même. Ils viennent de me pocher. On va essayer de dépocher. Oh là là. C'est terrible ça. C'est quelle unité ici? Qui sont en train d'arriver. Est-ce qu'on peut faire quelque chose au niveau des décisions? Oui. Oui. Regonfler le moral. Ah, quand même. Père Birmingham. On a réussi à faire une belle poche, mais bon. On a du mal là sur la fin. Oh putain, j'en étais sûr. J'en étais sûr qu'ils allaient faire ça. Ah, et je suis pas prêt de pocher. Je suis pas prêt de pocher complètement là. 57 points. $1,531,000 mecs de mort. En face, $1,300,000. On n'a pas regardé. Bah ouais, bien sûr. Ça se fait. Ouais, bien sûr. Eux, ils en profitent. Je termine pas ma phrase parce que sinon, je vais me faire ban de Twitch. Salut les dessous. Il y a le bon bleu et le mauvais bleu. Ouais. Et il y a le rouge aussi. Putain, ils font chier. Ça devrait être un petit peu mieux quand je vais avoir les renforts qui vont arriver. Ah, pochette. Et là, il a bien réagi, le bâtard.
Ah, Pittsburgh, tout ça, c'est tombé là. Et là, regardez-moi ça, Montréal. Est-ce que je pourrais pas le pocher, le counter poche. Counter poche, hein. Ça peut marcher. Il est en train d'envoyer des unités là, fait chier. Et en bas aussi là. Des divisions pour l'Indochine? J'ai quelques divisions pour l'Indochine. J'ai pas grand chose, mais. Il y a 2-3 mecs. Déjà toi, hop. Non, 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 non. Oh putain. Notez qu'en plus, ça nous servira pas à grand chose. On va commencer à faire les blindages, les moteurs. Pour les tanks. Là, on commence à se dire. Merde! Est-ce qu'il n'y aurait pas des nukes bientôt? Pas grand chose. Là, s'il prend ça, chiant, hein. Logistique, putain. Avion de transport, pourquoi je n'arrive pas à avoir la logistique du coup ici? Ok. Saint-Laurent, New York. Ouais. Bim. Non, 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 toi tu vas aller là. Attends, je t'attrape là, au vol. C'était des renforts de Paris. Oui, le cryptage semi-mécanique, oui. Je l'ai même pas lancé. Merde. Cliquez pour lancer le décryptage. Union soviétique. Alors, on a 15 divisions. On les envoie là? Des visions. Ok. Parce que là, on arrive avec toute la masse. Hein. Toute la masse de la droite. Résister là ou pas? On s'est encore fait pocher. Là on perd. Là c'est ok. Là on tente un truc. Là on s'est fait back. Thank you.
On se fait double poche. J'arrive. Attention. J'arrive. Les unités sont dead. Le Mexique, je fais comme si ça n'existait pas. On finit ça. Ok. Une tech. Ça ne sert à rien. On n'est pas encore en 46. On va voir la logistique, tiens. Qui va apparaître dans pas si longtemps que ça. On a des trucs à mettre ici. C'est comment ici? On a repris un petit peu le contrôle. Gardez vos rangs. Grâce aux 2-3 unités qui étaient venues là. Gardez vos rangs. Ouais, faut trouver une solution pour ça, c'est bon. Attention. Non, y a pas de, on reprend les positions. Vas-y, on pousse là. On va pas pousser de plus. On a bien poussé. On a bien poussé. Ça va, chaton? L'air d'aller de ouf. Elle est malade. La tuile. Expérience infanterie? Bien sûr. Bien sûr. Ici on est où là? Ici pour l'instant Osef. Je vais faire le plan ici hein. Bonsoir Jules. Bim, on y va ici. À droite là.
La France. Ça, c'est la belle France. On n'a pas été bon à certains moments de notre histoire. Là, on redresse la barre. Va donc là, toi. Bonsoir, et oui, merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. T'as passé de bonnes fêtes? Oh putain, je me suis fait poche. On peut attaquer ici ou... Alors d'être très loin, on a mis beaucoup d'unités ici. Il faut que ça serve à quelque chose. Il faut que ça serve à aller pocher tout ça, à mon avis. Ou alors... se rapprocher du front. Je trouve qu'on est bien loin du front. Là, on a des unités. Front pour profiter. On est en train d'arriver, là. Bien. On va pouvoir reprendre ça au fur et à mesure, à mon avis. Charles de Gaulle toujours que général. Ouais, il y aura pas plus pour Charlie. Pour Charlie. On récupère ça. On fait des petits tours sur soi-même. C'est bien ça. Ça c'est Milwaukee, c'est Chicago. Ça on avait tout ça avant. Hihihi. Ouais, on est un peu green sur les positions. Du monde là, ouais. Rachel Besson. Montréal. Carte les productions. La carte, la commune de France a réussi à récupérer la majorité de l'espace terrestre et aérien de notre société connue, sauf l'Asie. Petit problème pour l'Asie, Japon qui est là actuellement. Ça va, chaton? D'accord. Je vais finir te faire un bisou. On revient. Regardez cette belle commune de France.
Me revoilà. Toujours pas envers le Brésil. Ah, désolé. Bonjour les dessus. Non, le Brésil, on n'est pas sur le bail. On est sur le papa du Brésil. Pour le moment. Hop, on est reparti. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Oui, j'ai parlé un peu moins fort maintenant. Ah, vous savez pourquoi? Bah oui. Il y a chaton, hein. Chaton en plus est malade. Donc on fait des bisous à chaton. Tous autant que vous êtes. On va essayer de récupérer la Nouvelle-Orléans. Détroit. Je me demande si ça serait pas mieux d'attaquer là. Cette vision. Les productions. Attendez, j'ai pas un petit mouchoir. Hein. Production, production, mon petit pote. On a des problèmes. On a des soucis. On va enlever un petit peu d'avion. Je vais me moucher. Je fais aucun char. Je fais aucun char actuellement. On verra comment ça se passe. Je pense que je vais perdre quand même encore des unités avant qu'ils capent les mecs. Là, le nord des États-Unis, ça se passe pas très bien en vérité. Et c'est là où c'est industrialisé. On a voulu vraiment prendre les lacs assez tôt. On s'est fait un petit peu embarrer. On n'a pas eu assez d'unités. On pensait être bien et au final, c'est ces versants-là qui a complètement refall. Combien de temps de jeu? Je sais pas, je vais avoir une centaine d'heures maintenant. On doit pas avoir beaucoup plus. Est-ce qu'il y a d'autres mecs qui sont en train d'arriver? On sera que ça. Ok. Si on arrive à prendre ça, c'est bien. Oh, comment il me saoule lui. J'ai pas assez d'unités là, c'est clair. Et là je me fais pochette. Je me fais pochette, counter, pochette. C'est chaud. C'est vraiment chaud en vrai. On va essayer de récupérer ça. Attention. Bah excuse-moi Alexandre, parce que ce que tu vas voir, c'est pas très beau de temps en temps. J'ai tous les DLC. Ouais, il y a les espions qui sont en Éthiopie là. On essaye de faire en sorte que la révolution communiste existe. Mais
Ouais, ligne de front, hein, je suis d'accord. Faudrait que je réorganise tout ça. Hein. Mais je suis parti dans des bails à certains moments avec les flèches là que j'ai pas envie de les enlever. J'ai envie de faire un truc comme tout à l'heure. Donc je vais essayer de me débrouiller comme ça, mais. J'aimerais bien savoir exactement avec une vidéo, tu vois, quoi faire dans la situation. Ce serait une bonne vidéo sur ce jeu. On va t'envoyer là. Continuez l'attaque. Écoutez. Vos ordres. Allez, on se bouge. Non mais attends, je me fais défoncer en fait. Pourquoi ? Je peux réagir hein, quand même. Génie semi-mécanique, je sais pas quoi. Agence de renseignement qui est full. On a 16 unités là, 16 divisions. Beaucoup. Est-ce que ça passe hein? Ouais, je suis pas sûr de ça. Ça aurait pu pas. Ça aurait pu. Ouais, mais c'est. Ça va être dur ça aussi hein. T'es en train de reprendre ici au moins. On voulait faire quoi ici? Ah, il nous manque de tout. Il nous manque de tout. Mais je pense qu'on vient de perdre quelque chose en Asie là. Non? Non. Ah et là, relou. On va juste le tester. J'attaque bien, hein. Avec Benoît. Tout le monde n'y va pas là, je comprends pas. Impossible de définir une trajectoire valide pour la destination. Ça ne veut rien dire. Non, c'est dur. Ok, on a repris un peu là. Attention. On a réussi à faire une petite poche. Ok. La situation.
a été contrôlé. Là, c'est un petit peu chiant. Mais apparemment, il fait de la merde. Ce que je vois. On a full push ici. Ok. On se sécule là. Hein. Petit à petit, on arrive vers Chicago. Priorité nationale. Emplacement de construction. Est-ce que je ferais pas un truc comme ça là? Durée d'entraînement des divisions. Pas mal. Objectif de la résistance. Est-ce qu'on a d'autres trucs à aller chercher? Je crois pas. Peut-être les bateaux. Ancienne école. J'ai vu trop chantier navo. Je fais les deux. Boston n'a pas été récupéré, pas encore. Il me fait chier. Hein. C'était bien ça, je crois. Je me suis pas trompé. Il s'est passé quoi? Pourquoi il y a lui là? Pourquoi il existe? Perdu des bateaux. Hein. Mais maintenant, c'est nous les boss. Ça va être bien, ça, je pense. Alors, plus personne ici. Alors, 5. Une partie.
94. The fuck. On va s'en sortir, on va s'en sortir. Petite motorisation. On s'y... On a des usines, là. Ok. Se passe quoi là? Ok. Est-ce qu'on peut prendre une décision intéressante? Relou, on fait le moral par exemple. Un peu plus de soutien de guerre. On se regonfle le moral ici en regardant 45% à capituler. Sans la côte est. Gardez vos distances. Essayez de se remonter le moral comme on peut. Ah, c'est des avions qu'il nous faudrait. Tout à l'heure, on les oublie. Avion de transport, exactement. C'est le bordel, mes avions. C'est le bordel. Avion de transport 300 ici, bah voilà. Ça, c'est chiant. On a des fusées. Avion de transport. Transport. Ouais, on y va, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça peut kill ça ou pas? Ah, c'est difficile à kill. Bougez-vous. Petite transmission là, ça va faire plaisir. Gardez vos rangs. Gardez vos rangs. Gardez vos rangs. On a pris Buffalo, c'est bien. On arrive peut-être à prendre cette case là. Ici on continue de go hein, comme un sac.
Et là, on fail. C'est fou, hein. Peut-être si on va à Nashville, hein. Ça a l'air d'être vraiment, vraiment nul, mais bon. Comme décision. Non, non, faut pas que j'attaque là. Chantier naval, ok pour lui. On repousse. Écoutez. Non, ça marchera pas ce que je vais faire là. Chantier naval, mais merde. On avance, hein. Et au niveau des missiles, là, pas tous les envoyer là. Missile amélioré. Avion de transport, j'imagine qu'il y en a un dans le tas, j'arrive pas à le voir. Ok. Ah, il y a 110 divisions. Je le vois, hein. Vous voyez. Il y en a l'air d'en avoir plus ici. Par contre, là, on peut avancer, les gars. Vous endormez pas. Bougez-vous. Attention. Bougez-vous. J'ai trop cru là. Écoutez. Mec, personne. Le mec il est dans la même situation que moi. C'est trop la merde pour lui. L'organisation des avions. Je déploie des avions sans ordre, attention. Je déploie des avions sans ordre. Ah ouais. C'était les avions de transport, je pense. Je suis pas efficace là. J'ai pas la domination aérienne avec 3000 avions. Bah d'accord. Avancer là, je suis sûr. Ça commence à le faire chier cette zone. On va pas plus avancer ici.
je vais à fond là. Il est dans la même situation que moi, sauf que j'ai plus d'unités. On n'arrive pas là. Le front est super large. Hey, je me suis fait poche. Je me suis fait poche encore, putain. Tu parlais de quelle icône d'alerte? Ouais, je regardais un peu vos messages. Ouais, pas trop le temps. Sans nos F. Vraiment. Mes unités sont pas prêtes. Amélioration. Ok. Par contre, là, je suis en train de poche le monde là. La Nouvelle-Orléans, il me faut un port. Hein. Quitte à défendre là. Ouais, c'est comme Houston. Là. Là, ils vont reprendre tout là si je mets pas une ligne. Attention. Springfield. J'y croise poche. L'autre côté. Prendre après Boston. On se sera chié pas mal de trucs. L'invasion était pas ouf. L'aviation était pas bien maîtrisée. La logistique c'était pas terrible avec les avions de transport. On a des points d'amélioration. Alphonse a été blessé. Il supporte pas ça. Est-ce que je peux méga poche? What the fuck? Là je veux aller à Washington là. En vrai. Burn, ok. C'est peut-être un peu loin de là-bas. Il y a un as apparemment. Et on a battu Iceman.
On se refait pas baiser comme tout à l'heure. Hein. Belle musique. Sa semi-poche. Ah, la Nouvelle-Orléans, ils sont arrivés. On se défend pour le moment. Est-ce qu'on n'a pas des avions de transport qu'on pourrait envoyer? Genre là. On n'autorise pas à faire ça? On avance là? Oui, on avance de ouf. Ouais, mais je suis pas un empire, baiser. Je suis communisme. Complètement différent. On a pris Pittsburgh, tu vois. On a plus personne ici, putain. Pourquoi on a plus personne ici? À quel moment j'ai cliqué? À tous les moments j'ai cliqué. À tous les moments. Faut pas cliquer n'importe où. Attention. Bougez-vous. Bougez-vous. Non, là c'est compliqué d'attaquer. Ah, les unités étaient belles. Ok. Ok. Il fait chier lui. Est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Il a l'air d'être compliqué de faire ça en vrai. Encore la promotion d'un as. Comment ça se passe ici? Benoît Besson. Toujours là. Oh putain, on a réussi à... Allez go. Nickel. Ancienne école. Alors là, priorité au porte-avions, on fait des... Voilà, ça rien. Bonne nuit, Blaisy.
Juste avancer dans le pays, ça ne veut pas dire gagner. C'est-à-dire, moi si j'avance dans le pays que je capte toutes les tags, ça gagne. Hein. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Priorité aux offres. Ouais, les porte-avions. On va faire des... On va avoir beaucoup d'avions. Hein. Ça sera fini comme ça. On va couper la retraite ici. Oh, le char moderne. On est bientôt en 45. Ce qui compte, c'est détruire la division, pas prendre le territoire. Ok. Ok pour lui là, hein. On va le fumer. Ah, René est blessé. Chicago ? Non, oui, c'est bon. Oui, on a Chicago. Ah, on a réussi à stabiliser ici à peu près. Hein. Il faudra qu'on arrive à mettre quelques unités ici en vrai. Qu'est-ce que tu fais toi?
Louisville, il se passe des trucs. Ils sont en train d'en venir, putain. Tu joues l'Italie? Alors pourquoi tu joues l'Italie? Il y a quoi qui te fait kiffer? Récupérer tout ça. On était arrivé jusqu'à là. Merde. On a merdé encore. Si on arrive à résoudre la situation ici, ça devrait aller. C'est chaud de faire ça. Oui, bien sûr, accordez-moi un truc. Gardez vos rangs. Cette unité. Écoutez. Écoutez. Attention. Attention.
On va les baiser. Hein. On est en train de faire des dieux. Et c'est ce qu'il faut faire. Logistique. On est tech ici à récupérer. Pas du génie. J'ai pas pu cast highway. J'ai deux pas dispo. J'aurais des gros chiffres d'unité. Hein. Nashville. On y va, on y est. Ça se passe bien. Ça se passe très très bien. Je me suis fait stop ici. Alors, tourne en haut. On remettra une petite frontière, évidemment. Pop, 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 pop. J'ai pas de bateau de bulle à faire, quoi, depuis tout à l'heure. Je te fais des cuirassiers. J'ai give up les bateaux. Il me faut encore 17 000 lance-roquettes.
70 000 matériels d'infanterie. On en fait 300 par jour des camions. C'est une belle prod. Voilà, on le fume. On le fume. Faut faire attention ici. Bonjour mec. Ah ouais, c'est l'ouest. C'est l'ouest qui a pas réussi à tenir. On parlait du nord, du sud avant, mais maintenant c'est l'ouest. Oh là là. Ça poche ça. T'es poché ça. Ces petites poches. Ça se passe de mieux en mieux. Attention. Ici on va récupérer les petites cases. On va pusher ça. On va pusher ça. On va rien faire ici. Ah, ils sont plus que 7. On va en profiter. C'est trop ça. Pas sûr que ce soit trop. Hein. On régène un peu. Bon, on en est à combien là? Ah, on a quand même tué 3,7 millions de personnes. On a perdu 2-3 hein, des États-Unis. On est pas pour 1 pour 2, hein. On n'est pas sur du 1 pour 2. Là par contre, on va peut-être avoir une bonne nouvelle quand même. Ah, on a fait l'animal. Au début, c'était pas prévu que ce soit comme ça. Au début, on avait prévu d'être bon. Malheureusement, ça s'est pas bien terminé. Enfin, si, ça se termine bien. L'Union soviétique a déclaré la guerre au Japon. Bah putain. Enfin.
canal de Suez en ordre. Oh merde. Il y a un Osas qui est mort. Terrible nouvelle. Base aérienne de New York. Base aérienne de New York. Comment je fais pour voir ça facilement? Pop. Toi. Ah mais chef d'état-major, on s'en fout ça. Ça mieux. Côte du Golfe, sud-ouest des États-Unis, Nouvelle-Angleterre. Je pense que tous ne sont pas nécessaires. On va enlever celui-là déjà. On va se mettre son petit up. Et tout. Lui. Ah, peut-être qu'on va pouvoir attaquer ça. Ah, c'est ça ma ligne défensive. Waouh. Attendez, on va se mettre en 1 là, JPP. Alors combien on tue là? 14 divisions? 3 millions 8. Ok, Washington. Il faut taper dans ça normalement. On va enlever ça. Allez, on est max à 14 donc. Ça me saoulait d'attendre. Centre faveur du plot. 3,8. 3,9. L'embargo des Suisses, quoi.
Je me suis planté. Je suis complètement planté. Premier en 9. Ouh, 90% de capitulés. 90% de capitulés, c'est quoi la cape là? C'est toujours Washington. Peut-être que si on prend Washington. Une division ici. Et tout d'un coup, 19 divisions. C'est beaucoup. Police militaire. Ok. Je les ai fait chier ici au moins. C'est bien ça. On va rigoler. Bim, c'est pochette. Ouais, c'est fini là. Voilà, comme ça s'est fait ça. Texas pour le moment. Allez, tous les bateaux.
à tout prix. J'ai tout pris. Dont un hit. Oh. Ah, le Japon maintenant. On a 711 industries. On a des mecs qui vont venir, on va plus savoir trop quoi en foutre. On va pouvoir refaire tous nos bordels. C'est bien. Le Japon. On fout la merde. Ah, c'était dur. Salut JR. On est une game du titre. Let's go. Quel titre? Table ronde. Putain, BJ les gars. Bien joué à vous. On rappelait même plus qu'il y avait la game. J'avais pas noté dans mon agenda. J'avoue. J'ai joué Zulu. BJ mec. J'ai regardé la game. Bien joué, JR. Ouais, Zulu, c'est vraiment top. Bon, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on rase On est parti sur l'Union soviétique. Là, il est minuit 52. Je pense qu'on a, on a bien fait le tour du sujet Uber. Et l'Éthiopie pendant ce temps-là. Ah, l'Empire français, là il y a eu un problème aux États-Unis. On a mis combien de temps pour les States? Logo parfait, on a mis un an pour les States. Alors que l'Italie avait cap en 42, 1er janvier 42. On finit le Japon? Ah, pas finir le Japon. 202 bateaux qui viennent d'arriver. Ah, c'est vrai que je voulais faire. Ah, elle m'a bien cassé les couilles. Non, je suis d'accord avec toi, mec. Et là, j'ai toujours pas réussi à faire ce que je voulais avec le fantoche ou je sais pas quoi. Pas compris ça. De terrain. On n'est pas sur les fonds de terrain. Ouais, reste la Suisse. Reste la Suisse. La Suisse, première puissance mondiale. Non, ça fait peur la Suisse. Non soviétique, on est plus. On a plus. On a aucun enseignement. Ça fait peur ça aussi. On est bien avec les Russes. Communiste, mais il veut pas venir.
font chier. Et l'Inde, l'Inde c'était à moi avant. Ça, ils me cassent les couilles ici, les Japonais. Ils ont rien fait de leur game, les mecs. Ils ont rien fait de leur game. J'ai l'impression qu'à partir du moment où j'ai pris la Grande-Bretagne, j'avais gagné la game. C'est fou, hein. J'ai pris l'Espagne, le Portugal, j'ai pris la Grande-Bretagne, et c'était fini. On a eu un mauvais moment à passer en Allemagne, mais on a débarqué en Italie, on a passé les Alpes vachement rapidement, on a fait une petite poche, et puis après, bon bah ça a déroulé, l'Italie s'est révoltée en plus après. L'Ukraine, non, l'Ukraine, ça n'a pas existé. Hein. Ça n'a jamais été une vraie civilisation, l'Ukraine. C'est un nouveau pays, entre guillemets. Est-ce qu'on a... On a les radars ? On a tous les radars ici ? Je pense qu'il en manque un. On avait commencé à faire celui-là. On a ici, hein, je rappelle. On a les éléments qu'on voulait pour les push de la Russie en mid-game. On a la Finlande, on a la Turquie, on a un axe européen. On va pouvoir envoyer des petits bateaux ici. On va peut-être pouvoir même faire une invasion navale. On va avoir le contrôle de ça. L'Iran, j'aurais bien voulu la récupérer. Pour leur l'inviter dans notre faction pour qu'ils soient en guerre. Mais ils veulent pas. Ils veulent pas être invités dans notre faction parce qu'ils pensent qu'ils vont être en guerre après. Ils ont le nez fin, les mecs. L'Afghanistan, ça va être le même bail, hein. Ils veulent pas. Non, ils sont là. Nous menons une guerre dans laquelle ils risquent d'être entraînés. Ah, ils ont zéro conscience de victoire. Mais pas les Russes, pourquoi pas les Russes? On va les attaquer, les Russes. Oh là, le but de la game à la fin, quand même, c'est de récupérer tout ça, que ça soit bleu, non? Et que tout soit bleu, sauf l'Argentine. On va tout récupérer, là on va essayer de faire en sorte qu'il y ait des révolutions communistes, les intégrer à la faction. Est-ce qu'on peut faire ça? Lui il est pas aligné, lui. Invitation à notre faction. Ouais. Bah, je sais pas qu'est-ce que tu dis, mais je suis d'accord. J'ai quoi comme chasseur? J'ai ça. J'ai ça actuellement. On va rajouter des trucs. Ouais, je me suis mis avec un petit 110 km de portée. Bref, effectivement, c'est de la merde. C'est de la merde, on va faire le moteur à réaction. Oh non, vous aviez raison. Mais on n'avait rien à ce moment-là. C'est peut-être pour ça qu'on a un peu galéré. J'ai l'impression que mes avions, j'avais quand même 7000 avions. On est arrivé, on avait 7000 avions. Ça a l'air d'être quelque chose quand même. Ça coûte plus cher. Oh, l'artillerie, putain. Lance-roquette, je veux dire. Oh, j'en ai mis partout. J'en ai mis dans tout le milieu. Nouveau déconstruction. Il faudra que je fasse ça. Ok. Ça va mettre plus de sang que les USA. Ouais, 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 bien sûr. J'entends bien. Je pense que je vais d'abord faire en Japon. Ça me fera un nouvel accès. Ça me permettra d'aller caper des trucs ici. Et puis, si on arrive à récupérer ça, les Kamchatka. Ah non, c'est ça qu'il faut qu'on récupère. Sinon, ils vont peut-être nous casser les couilles avec des bateaux. Moi, j'ai vraiment pas envie de me faire envahir comme on s'est fait envahir par les États-Unis là, au Mexique. Ils sont revenus comme ça, on leur avait tout pris et ils sont revenus comme ça, on ne sait pas où. Et il aurait pu y avoir pire, il aurait pu y avoir ça là, qui nous spawn des unités qui nous prennent dans le bac là, au Québec. Ça aurait été terrible.
On n'a pas assez d'acier? Les gars, si nous on n'a pas assez d'acier. On a du carbu, on a du carbu. Ouais, bien sûr, Alexandre Vidéo 18. Je suis d'accord avec toi, mon pote. Je te fais des bisous d'ailleurs. Je vous fais à tous des bisous parce qu'on va y aller. On a fait 11 heures de stream sur ce jeu. On a joué à Earth of Iron toute la journée et c'est Noël.